on s'appelle par téléphone. Le nom du projet, c'est les Tomb Raid. Le principe, on est parti du constat que la vie quotidienne et la mort quotidienne sont très présentes dans les collections du musée. Donc on a créé une application sur tablette qui emmène le visiteur et sa famille à répondre à plusieurs questions. Chaque bonne réponse ouvre droit à la prochaine question. Une mauvaise réponse tue le visiteur et en fonction de l'époque où il se trouve dans le musée, il détaille un rite funéraire. Chaque grand rite funéraire est aussi expliqué qu'on donne une bonne ou une mauvaise réponse pour ne pas frustrer le visiteur. En plus de ça, on a pris le parti pris d'agrémenter certaines sépultures présentes dans le musée, notamment avec une vidéoprojection en 3D d'une dépouille d'un chef du 7e siècle qui a été retrouvé à Ornain. On va aussi travailler sur une stèle funéraire ainsi que sur une tombe d'un enfant de 5 ans gaulois, assez riche d'ailleurs, prénommé affectueusement Albert.